Mes bien chères geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans un 100% exceptionnel avec la critique de Shinobi, Katsuka, Tokyo Café et tout de suite les news. Entre les Marvel vs Capcom 3, les BlazBlue et autres Skullgirls, il n'y a pas à dire. Après avoir passé une bonne décennie tapis dans l'ombre, les jeux de combat façon old school reviennent en force. Et si on assiste à une véritable renaissance du genre, c'est en grande partie grâce au retour du géant Street Fighter, avec un quatrième épisode qui a su ingénieusement fédérer nouveaux joueurs et vieux de la vieille. Vous vous en souvenez peut-être, dans les années 90, le genre de jeu de baston était jalousement dominé par une poignée de licences qui se livraient à une guerre sans merci à coups de vannes et de clins d'œil interposés. Capcom avait de nombreux rivaux, et si on ne devait en retenir qu'un, ce serait sans aucun doute SNK avec sa série The King of Fighters. Bien que King of Fighters, contrairement à Street Fighter, ait continué à vivre dans les années 2000, les joueurs ont bien évidemment remarqué que la série commençait à tourner en rond sans jamais retrouver son éclat d'antan. Voilà pourquoi King of Fighters 12, malgré son lifting graphique, n'a pas laissé un souvenir impérissable, les joueurs préférant se tourner vers les classiques King of Fighters 98 ou 2000. On en profite d'ailleurs pour vous inviter à consulter la critique de King of Fighters 12 sur No Life Online. Bref, jusqu'à l'année dernière, la licence de SNK commençait à s'endormir dans son coin, comme si elle attendait qu'on la réveille dès que l'occasion se présenterait. Cette occasion eut lieu en 2009, avec l'arrivée de Street Fighter 4 justement. C'est ainsi qu'en 2010 est né King of Fighters 13, le dernier de la saga, disponible exclusivement sur arcade. Alors que nous ne sommes plus qu'à quelques jours de sa sortie sur console, nous avons pu essayer ce petit bijou du jeu de combat au cours d'une présentation privée. L'occasion d'halluciner devant ses graphismes en 2D sublimes et de découvrir les nouveautés que cette version apportera. Première différence avec la version arcade, l'arrivée de Saiki et de Billy Kane. SNK prévoit aussi de proposer des versions alternatives de Kyo, Yori et de Takuma, mais dans ses DLC qui seront cette fois-ci payants. En plus de ces nouveaux persos, l'ensemble du casting subira un rééquilibrage complet, histoire de mettre tout le monde au même niveau. Enfin, quelques ajouts devront plaire aux nouveaux joueurs, comme un mode tutoriel expliquant les fonctionnalités du jeu. Rolling, Short Hop, Drive Cancel, des fonctionnalités que l'on vous expliquera plus en détail au cours de la critique du jeu. En attendant, ce qu'il y a à retenir, c'est que SNK a tenu compte des erreurs de King of Fighters 12 et semble revenir au sommet de son art avec un titre au graphisme sublime, au roster conséquent et au gameplay plus technique que jamais. Voilà un jeu à suivre de près et qui pourrait bien faire lâcher Street Fighter 4 à un bon nombre d'entre vous. On en reparlera à sa sortie qui vient d'être repoussée au 30 novembre. On change complètement d'ambiance et on se fait plaisir avec le prochain Katamari prévu sur PS Vita. Si le principe reste le même, à savoir faire rouler sa boule sur à peu près tout et n'importe quoi afin de la faire grossir, cet épisode semble utiliser quelques-unes des fonctionnalités de la nouvelle portable de Sony. Il sera en effet possible d'étirer de manière horizontale ou verticale votre Katamari, le tout grâce à l'aspect tactile présent sur le dos de la console. Reste à savoir si cette feature améliorera réellement une expérience de jeu qui, à la base, est déjà bien agréable. Et on termine ces news dans la légèreté, avec le trailer de lancement de Winter Stars, le jeu de sport d'hiver de Deep Silver. Au programme, de la descente en snow ou à ski, du curling, du patinage artistique, bref, tout un tas d'épreuves qui ne manqueront pas de vous afficher dans votre propre salon, et ce, en famille ou entre amis, grâce aux différents accessoires de motion gaming comme Kinect, le PS Move ou la Wiimote. De quoi se foutre la honte pendant vos longues soirées d'hiver. Alors, imaginez ma surprise en découvrant le programme de ce 100%, la critique de Shinobi. Alors bon, on me dit que c'est la suite sur 3DS. Alors, déjà, je savais pas qu'il y avait une première version, à mon avis ça a dû sortir qu'au Japon, parce que ici, Shinobi c'est quand même pas assez connu. Et puis bon, sur 3DS, vous imaginez, il y aura Miyamae comme ça, on la verra, qui sort de l'écran de la 3DS, et puis le prince Shinobi, il va chanter des chansons pour battre les ninjas. Je sais pas trop comment ça peut marcher ce truc-là, mais je trouve que Nintendo, quand même, sont gonflés d'avoir fait un jeu sur les romanesques, hein, en plus sur 3DS. Présenté en version jouable lors du dernier Tokyo Game Show, Shinobi vient de sortir sur 3DS. Les graphismes sont en 3D, l'affichage est en relief, mais Shinobi garde quand même son concept de gameplay 2D, comme l'excellent jeu d'action plateforme qu'il a toujours été.
première surprise, le mode normal est assez difficile. Il faut s'accrocher pour passer le premier niveau, car le jeu ne conserve pas la progression du joueur. Une fois le stock de vie terminé, il faut recommencer à zéro. Et les niveaux sont longs et bourrés de pièges. Les ennemis surgissent sans prévenir, les plateformes s'effondrent. Il faut donc s'entraîner sérieusement et se concentrer pour arriver enfin au boss et passer au niveau suivant. C'est une sensation qu'on a un peu oubliée, celle de faire un véritable effort pour mériter le stage clear. Si ça vous fait flipper, sachez que le jeu propose également un mode facile avec vie infinie, ce qui transforme ce Shinobi en un jeu plus bourrin où on aura tendance à passer en force, quitte à prendre un peu de dégâts au passage. Notre ninja dispose d'une palette d'actions très vaste. Saut, glissade, grappin, double saut, attaque tournoyante avec le sabre ou les kunai. Sans compter les 4 magies différentes qui boostent chacune à leur manière les capacités du héros pendant un temps limité. N'oublions pas la parade, particulièrement hardcore à maîtriser. En effet, impossible de rester en parade en maintenant R enfoncé. Il faut se synchroniser avec les attaques et appuyer au moment précis où on reçoit le coup. On n'est pas loin du système de pari dans Street Fighter 3, ce qui en dit long sur la marge de progression que propose ce Shinobi 3DS. Les stages sont également très variés, même si certains semblent avoir été réalisés surtout pour créer un petit effet grand spectacle avec l'affichage en relief de la 3DS. Par exemple, la course à cheval vue de dos n'est pas très intéressante à jouer. Enfin, même si ce Shinobi est loin d'être vilain, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une tuerie graphique. Et puis le jeu demande une telle précision qu'on est vite tenté de passer l'affichage en 2D pour mieux rester concentré. Mais c'est globalement une réussite et surtout un jeu qui propose un vrai challenge et qui le revendique. Ok, ok, autant pour moi, hein, c'est bon, vous pouvez arrêter de poster. D'accord, c'était pas Ishitobi, c'était Shinobi, j'ai confondu, vous savez, en japonais, c'est pas ma langue maternelle, les mots se ressemblent, les noms encore pire. Alors bon, ça peut arriver à tout le monde, hein. Vous êtes jamais trompé, vous. Mais par contre, pour me rattraper, promis, dans Katsuka, il y a le nouveau clip des Romanesques. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, vous verrez un beau clip bien dark ainsi qu'un petit train tout joyeux. Mais avant ça, les news! Le carrefour de l'animation prend place à Paris du 1er au 4 décembre au Forum des Images. Un précieux rendez-vous pour tous ceux qui s'intéressent à l'animation et aux jeux vidéo. Vous pourrez y croiser de nombreux professionnels du milieu, dont l'équipe du projet Salman. Le carrefour est aussi riche en projections de courts-métrages et films étudiants, sans parler des avant-premières, comme le film Tatsumi, adapté de la vie du fameux mangaka, ou Cerise sur le gâteau, A Letter to Momo. Le nouveau film du réalisateur de Jinro fera en effet la clôture du festival le 4 décembre à 20h30, alors qu'il n'est même pas encore sorti au Japon. Autre long métrage japonais, Colorful est lui visible dans nos salles depuis la semaine dernière. Je vous encourage vivement à le voir, car pour ne rien vous cacher, il s'agit d'un de mes coups de cœur de l'année. Un film qui parle de suicide, mais qui est surtout un formidable hymne à la vie. Hara Keiichi, qui avait déjà signé Un été avec Ku, est pour moi un des grands réalisateurs japonais du moment. Et vous pourrez d'ailleurs le retrouver vendredi dans une interview que nous avons réalisée avec lui. L'animation française n'est pas en reste avec la sortie aujourd'hui du film Le Tableau par le vétéran Jean-François Laguioni, qu'on connaît notamment pour L'île de Blackmore ou Le Château des Singes. Bonjour. Un film jeunesse en 3D avec un très joli rendu façon peinture, puisque l'histoire met en scène les personnages de différents tableaux dont certains vont s'aventurer dans notre monde. On regarde tout de suite la bande-annonce. À toi, Lola. Mes amis, mes chers amis, le peintre ne viendra plus. Regardez, là. C'est pas fini. Ils ne vont pas la laisser monter tout de même. Je vous en prie, pour le peu qui me manque. En quoi les toupins seraient supérieurs au pas fini? Peut-on accueillir ici toutes les raclures du tableau? Des gribouillis, de vraies ratures. Ce sont ses premiers croquis, les études en quelque sorte. C'est répugnant, il aurait dû les effacer. Le peintre va revenir, j'en suis persuadé. Et même s'il ne venait pas, s'il fallait aller au bout du monde, j'irai le chercher. Et il finira le tableau. Mais
que se passe-t-il? Reprenez vos places! Sale petite espionne. Ben non, je viens d'un autre tableau. Oh, mes moustaches, elles se moquent de nous. Mais c'est la vérité, je vous jure. Vous êtes dans un tableau. Un tableau sur la guerre. T'es sûr qu'on peut sortir d'ici? Bien sûr, puisque j'y suis entrée. Quand vous le verrez, qu'est-ce que vous allez lui demander? Rameau pense qu'il n'a pas fini de nous pendre. Bonjour. Tiens, salut. Vous êtes venu jouer avec moi? Nous sommes à la recherche du peintre. Oh. C'est lui? Oh non, malheureusement. Ce n'est qu'un autoportrait. Où est-il allé? Vous devez le savoir, vous. Où vas-tu? Voilà, demoiselle. Il est là, votre peintre. Du rouge, du noir et du blanc, c'est ce que vous allez voir dans un clip aussi sombre que poétique, réalisé par Adrien Merigo pour le groupe irlandais Villagers. Il illustre les paroles de leur chanson Cecilia and Her Selfhood à travers la quête d'un jeune homme pour retrouver le monstre qui lui veut du mal. Un film qui prend son temps et qu'Adrien a réalisé à l'ancienne, incluant même une séquence en papier découpé. In the center of the city was a statue and her twin, and together they watched over everything. Yeah, they saw me when I stumbled, and they watched you help me stand. I'd swear Cecilia and her sister had it all planned. Then one morning I was walking from my window to your door. Well, I nearly hit the ground with what I saw. A Cecilia had been broken, while her sister had been spared. And the vandals had scattered the pieces everywhere. And oh, it made me wonder what kind of twisted mind would ever hurt her so thoughtless and unkind. But a monster so cruel can't be that hard to find. So I started wearing war paint, and I gathered all my friends. For Cecilia, we'd be hunters till the end. She was built for a perfect picture, which she came to represent. Though I guess I never understood exactly what it meant. Well, I know Cecilia and her sister were just statues made of stone, but I still missed her, and now her sister's all alone. No, that just won't do, so let's raid the vandals' homes, boys. So we ventured out at sunrise with our torches and our spears, and our shotguns and our fears, and our carefully hidden tears for Cecilia, Cecilia. Now I'm thinking of the moment when we can look them in the eye and make them sorry, 'cause tonight they're gonna die. Yeah, we'll shoot them all dead,
leave their bodies where they lie. Boys, so now we're following the pieces of Cecilia to their door, every shattered limb repeatedly reminding us of what we're searching for. And the sleepers have woken, for now they have an aim. Yes, they're quite aware of the cold hard fact that the city's loss could be their gain. They are dreaming of the feeling of a trophy in their arms, a hero's welcome, claiming women with their charms. I'm sorry if I hurt you, you know I swear I meant no harm. Babe, so the trail keeps on turning as we wander through the streets. I keep looking at the pieces of Cecilia at my feet, but the strangest thing occurs to me when I stop to look around. Oh, I'd swear that we're returning to the center of the town. Yes, we're back here where we started, where Cecilia used to stand, but her sister looks different. Please tell me, boys, if you can, is that a smile on her face? Is that a hammer in her hand? Enfin, on termine avec quelque chose de plus léger nommé Shubi Shubi Douya, un clip au nom funky pour une musique tout aussi entraînante de l'artiste jazz américain Adam Dorn, aka Moshean Walker. La vidéo a été réalisée par le Polonais Cezary Kwasny, visiblement inspiré par ce dynamisme musical et qu'il illustre à travers un petit train qui prend vie dans un style très cubique. Me risquerais-je à faire un jeu de mots à deux sous en disant que l'artiste était locomotivé ? Ah bah oui, désolé. Walou, à dans 15 jours.
non, là, je ne sais pas quoi vous dire, je sais pas. C'est peut-être la gastro qui me fait ça, ça me perturbe un peu, mais bon, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas eu de clip des romanesques dans Katsuka. Hein. Mais c'est pas grave, parce que Mademoiselle Suzuka, elle va les recevoir dans Tokyo Café. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。私、フナックナントに来ています。今日はですね、フナックナントになんと Suzukaさんが招待されてサイン会をするそうなので、そこに続きしたいと思います。今ね、今のカンフェランス始まってるみたいなので、そっと入りたいと思います。Pourquoi cet intérêt pour la culture française? Donc, comme j'étais très très mauvaise pour l'anglais, j'ai choisi le français.今回なんとフナックのサイン会オーガナイズしたモルガンさんにインタビューしたいと思います。こんにちは。こんにちは。Alors, pourquoi vous invitez Suzuka? Parce que son ouvrage permet de découvrir le Japon authentique qui règne dans Paris. Et on avait envie de faire découvrir ça au public provincial et au public nantais. Et alors, est-ce que ça s'est passé bien? Ah, ça se passe super bien et c'est un grand honneur d'accueillir Suzuka, d'accueillir Alex, qui sont des légendes pour un certain nombre de personnes. Et votre prochain projet?Alors on continue de travailler avec la FNAC, avec la médiathèque de Nantes, avec un certain nombre d'événements pour promouvoir la culture japonaise et participer aussi un petit peu comme vous à répandre cette culture-là à travers le monde. Arigatou gozaimasu. Anthony, arigatou, merci beaucoup. C'est la première de l'UQAS.朝岡鈴鹿さんのサイン会が始まるようで皆さん並んでいらっしゃいます。では早速インタビューしたいと思います。Vous attendez longtemps? Pas très, pour l'instant, ça va. Et vous avez facilement trouvé le livre? Oui, il était juste là, donc... Est-ce que vous avez déjà lu le livre? Non, je l'ai juste feuilleté. 面白いでしょうかね、心配です。早速、じゃあサイン中の鈴鹿さんにインタビューしたいと思います。こんにちは。どんな本を書かれたんですか？はい、パリにある日本に関係するお店だったり、それを4つのテーマに分けて、カルチャーと、あとお店とご飯とビアンエートルみたいな、それをカテゴリー別に全部私がフランス人に紹介するために書きました。取材は難しくなかったですか？取材はね、なんか寒い日もあったし、雨降ってる日もあったし、いろいろ大変でしたね。レストランとかもお腹空いてないんだけど食べたりとか、いろいろハプニングもあり。次の第2冊目の本のプロジェクトなどはあるのでしょうか？次のプロジェクトは、そうね、最初に東京カフェで紹介した日本のお店を今度はフランスのみんなに本で紹介するっていうのをやってみたいですね。というわけで今日はナントに来た鈴鹿さん、パリジャポンを書いた鈴鹿さんのナントのサイン会を取材しました。みんなもね、この本気に入ったらぜひ買ってみてください。彼女も喜ぶと思います。ふぶねこんぶぶれ。Confirme, c'est la gastro. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé, je fais n'importe quoi, encore pire que d'habitude. Le mieux, c'est que je retourne me coucher et que je vous fasse des gros bisous, mais de loin pour éviter la contamination. Alors pensez à bien vous laver les mains, faites attention, sortez couverts et puis allez voir sur Internet, sur les sites de partage de vidéos, il y a plein de clips des romanesques. Moi, je vais aller voir le DVD que j'ai. Et puis voilà, et je vous fais des gros bisous et puis...Non, rien, c'est le gastro. Bon, c'est... On garde les plateaux? Ok. En même temps, j'aurai l'air malin, j'espère qu'il n'y aura pas les romanesques aujourd'hui.